L'ancienne présidente argentine Cristina Fernández a été inculpée suite à des accusations d'association illicite et de gestion frauduleuse des travaux publics. L'acte d'accusation de mardi est le second depuis qu'elle a quitté ses fonctions il y a une année. L'ancien ministre de la Planification, Julio De Vido, et l'ancien secrétaire aux travaux publics, José López, ont été également inculpés. Ils sont accusés d'avoir établi un schéma visant à accéder de façon frauduleuse au financement de travaux publics dans la province de Santa Cruz entre 2003 et 2015. Les charges de corruption ont longtemps plané sur Fernández et son époux, Néstor Kirchner, aujourd'hui décédé, qui la précéda à la tête du pays. Kirchner fut le gouverneur de la province de Santa Cruz avant de devenir président en 2003. Madame Fernández a réfuté tout mauvais agissement en accusant l'actuel dirigeant argentin, Mauricio Macri, d'user des tribunaux pour la persécuter.